François Hardy, j'ai vu le film Grand Prix, mais je ne vous ai pas vu, ou presque. Pourquoi alors avez-vous accepté un rôle aussi transparent? Parce que c'était très bien payé. Bien. Pourquoi, en changeant le style de vos chansons, n'avez-vous pas changé également celui de votre coiffure? Je trouve pas que j'ai changé le style de mes chansons, si? Non, 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 pas du tout, c'était une boutade, pardonnez-moi, chère Françoise. Maintenant, étant souvent chef de file de la mode, pourquoi, Françoise, n'êtes-vous pas aussi grand chef d'une maison de couture? Répondez-moi. Parce que je ne suis pas une femme d'affaires. Françoise Hardy, si demain la mode était aux jupes très longues, porteriez-vous immédiatement des jupes très longues? Je crois que la mode est déjà, enfin la mode d'hiver est déjà aux jupes longues. Et moi je porte ce qui me va, que ce soit long ou court, si c'est à la mode, si ça me va, je le porte. Très bien, pourquoi maintenant ne vous mariez-vous pas, Françoise? Parce que je n'ai pas trouvé l'âme sœur. Bien. Et puis parce que surtout j'ai pas envie d'avoir d'enfants maintenant. Et je crois que c'est la seule raison pour se marier, c'est d'avoir envie d'avoir un enfant. C'est votre avis. Dites-moi, vous servez souvent de modèle aux photographes, vous faites du cinéma, de la chanson, mais accepteriez-vous le rôle de Chimène, par exemple, à la Comédie française? Non, mais je suis absolument pas douée pour la comédie, alors je pense pas que j'accepterai un rôle de cette envergure. Parfait. Françoise, combien de disques avez-vous déjà vendus, mon petit? Alors là, je ne sais pas vraiment. Françoise Hardy, accepteriez-vous de vous couper les cheveux pour un rôle important? Je ne sais pas. Peut-être. Ça dépend. Vous ne savez pas non plus. Très bien. Quelle est la chanteuse que vous aimez le moins? J'aime le moins. Ce que j'aime le plus, c'est Barbara. C'est ce que j'aime le moins, je ne sais pas. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu si longuement à mes questions.